Au début du XIVe siècle, Rome, cité sainte, ne sera plus le centre de la chrétienté. Et ceci pour une période d'environ 70 ans. De 1309 à 1378, sept papes vont se succéder en Avignon. Avignon donc deviendra le centre du monde chrétien. Et pourquoi donc ces papes ont-ils décidé de s'installer sur les rives du Rhône? Entre le XIIe et XIIIe siècle, de riches cités italiennes comme Pise, Florence, ou encore Gênes, s'affrontent en des guerres qui opposent les partisans de l'empereur romain germanique, les Gibelins, partisans du pape, aux Guelfes. Ces derniers sont des fervents défenseurs de l'indépendance de l'Italie. Au Moyen-Âge, les villes médiévales italiennes sont toutes embastionnées. L'Église et ses dirigeants sont victimes à Rome d'attaques sévères. C'est pour cela que le conclave décide de s'installer en France, pas très loin de l'esprit de Saint-Benoît. C'est donc dans le sud de la France, en Avignon, que les papes décident de s'installer dans un pays encore épargné des guerres qui opposent les églises. Le premier pape sur le sol de France sera Bertrand de Gaulle. Ce Gascon est fidèle du roi d'Angleterre. Il est aussi archevêque de Bordeaux. À 40 ans, il est élu par le conclave de Pérouse. Ce sera donc le premier pape de la cité d'Avignon. Il sera sacré sous le nom de Clément V. Ceci en l'an de grâce 1305. Mais en 1311, il devra obéir au roi de France, Philippe le Bel, et abolira l'ordre des Templiers. Jacques de Molay, dernier chef des Templiers, sera brûlé comme hérétique sur l'île de la Cité à Paris. Le pape Clément V affecte particulièrement le château de Roquemort et ce sera pour lui un des lieux de résidence favoris. Il mourra donc à Roquemort le 13 avril 1314 et sera enterré dans la collégiale du Zest. La mort de Clément V provoquera une vacance de 2 années de la papauté.
Jacques Duèze, évêque de Cahors, sera déjà évêque d'Avignon. Puis il sera élu pape en 1316 et prendra le nom de Jean XXII. Et c'est en 1318 qu'il adaptera le palais épiscopal pour les nécessités de la cour pontificale. Il va donc l'agrandir, le fortifier et l'embellir. Il décédera le 4 décembre 1334 et sera inhumé dans la cathédrale Notre-Dame des Dons d'Avignon. Jacques Fournier, ancien abbé de Fontfroide, va lui succéder. Il était dépendant du diocèse de Carcassonne et aussi était un grand inquisiteur. Après avoir été élu évêque de Mirepoix, il sera élu pape le 20 décembre 1334 et ce pape prendra le nom de Benoît XII. Le palais des papes n'étant plus adapté aux exigences de cette papauté, Benoît XII fera construire sur ses emplacements une puissante forteresse vaste et austère. 30 ans après l'installation du premier pape, il décédera le 25 avril 1342. Il sera également enterré à la cathédrale Notre-Dame des Dons en Avignon. Pierre-Roger de Beaufort, moine bénédictin en provenance de la Chaise-Dieu, en Haute-Loire, monte sur le fauteuil de Saint-Pierre. Cela se fera le 7 mai 1342 et empruntera le nom de Clément VI. Dépensier, adorant le luxe, il poursuivra l'agrandissement du palais et ceci sans compter. Il dilapidera les richesses amoncées par son prédécesseur Jean XXII en faisant construire de 1338 à 1342 le célèbre Palais Neuf. Pour la décoration du Palais Neuf, il fera appel à des peintres italiens de grand renom comme Matteo Giovanetti. Il achète aussi la ville d'Avignon à la reine Jeanne de Naples, ce qui mettra à sec le trésor de la papauté. C'est alors que la peste s'abattra sur la ville d'Avignon et éradiquera la moitié de la population. Et ceci en quelques semaines à peine. Le peuple juif sera tout naturellement visé et tenu responsable de cette peste. Clément VI prendra que tardivement leur défense, et ceci lui sera un tantinet reproché. Il s'éteindra le 6 décembre 1352, et sera inhumé à la Chaise-Dieu. Étienne Aubert lui succédera, et c'est le 18 décembre 1352 qu'il revêtra le costume de pontife. Il endossera donc son nom de prélat sous le patronyme d'Innocent VI, mais Avignon est sans ressources financières. Il finira quand même par construire et terminer les travaux engagés par son prédécesseur. Il aura à l'esprit de construire des remparts autour de la ville dans un esprit de défense. Il commandera, malgré ses années de peste, la construction de la chartreuse de Villeneuve. Exempt de revenus et de ressources agricoles, il essaiera de remonter les finances ruinées de la cité des papes. Mais ce sera sans compter la guerre de Cent Ans qui va commencer. Épuisé, il ne restera que 10 ans en fonction et c'est en 1362 qu'il meurt, dit-on, d'une rage de dents. Il reposera donc à la chartreuse de Villeneuve-des-Avignons, qu'il a fait édifier quelques années avant. Guillaume Grimauvoir, le futur Urbain V, verra le jour en 1310. Il s'engage très jeune dans la foi et sera tonsuré dès l'âge de 11 ans. Il deviendra l'abbé bénédictin de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Il sera élu le 28 décembre 1362 au conclave qui s'est tenu au Palais des Papes. Il sera le fervent protecteur des lettres et des sciences. Il favorisera le développement des universités européennes et il créera ainsi à Montpellier 2 collèges. Il tentera d'imposer le retour de la papauté à Rome, mais reviendra mourir en terre d'Avignon. Il sera enterré à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Le dernier pape en Avignon sera Pierre-Roger de Beaufort. Il n'est autre que le neveu de Clément VI et prendra le patronyme de Grégoire XI. Il sera élu le 13 décembre 1370 sous l'influence, c'est la pression, de Catherine de Sienne. Il empruntera le chemin de retour à Rome dès 1376 pour y décéder le 27 mars 1378. Avignon n'aurait été qu'un passage pour les papes et le calme étant revenu en Italie, Rome verra le retour de ses derniers prétendants pour le trône papal. Grégoire XI sera inhumé à Santa Maria Lueva, Saint-François de la Romaine. C'est ainsi que la ville d'Avignon va retourner sans condition dans l'anonymat le plus total.
mais la ville nous a laissé un rayonnement d'exception. Ainsi, de nos jours, Avignon est devenu un centre incontournable sur le plan culturel. Voilà, c'en est terminé pour ce court résumé des 7 papes d'Avignon. À très bientôt sur TVNet pour d'autres programmes du patrimoine et de l'histoire.